is your feeling about the game of tonight? How do you think? Hello, gentlemen. It's a big loss. Terrible offense. Average defense, especially first half. Not too many comments. We know that we need to bring the game under the 20 points. In the worst case, we couldn't do that. Make a stupid turnovers with the ball, looking shaky, looking childish. Couldn't score the shots. So I believe Limoges deserved to win the game 100%. So that's it. Thank you. Merci beaucoup. We do first question in English for the BCL, and after we will adapt, and I will translate for them. After the first answer, you can do some kind of answer in English. Okay. Okay. Desir, the guys, congrats for the game. What is your feeling about this victory? Oh, it feels good, man. We want to, the first half of the Champions League, we started up 0-3. We knew we were a much better team than that, so tonight we came out and wanted to start the second half of the BCL, strong, and that's what we did. We came out focused. We executed on defense and offense, played together, shared the ball a lot, and we was able to get a big victory. On a fait un premier 0-3, on était à 0-3 après la première moitié de la BCL, c'était voilà, on a la moitié de la campagne, on savait qu'on valait mieux que ça. Ce soir on a fait un bon match, on a été meilleur, j'ai pas tous les détails. On a partagé le ballon, on a eu des shoots et voilà. 53 points for Riga, yeah. It was the key of the game, of course. Yeah, definitely it was the key of the game. We was able to get stops. They're a good team shooting the ball, and that's what our main focus was. Don't let them get open, don't let them get hot, because, certain guys, they had a good shooting game at their arena. So, here we wanted to stop that, and that's what we did today. Held them to 53 points, that's big right there. For a team like that, that's big to hold them to 53 points, and did a good job. It was very important to be very serious, very focused until the end. Towards this big run at the end of the game? Yeah, definitely. We didn't want to celebrate too early. We had a goal, and that was to get the win at the end of the buzzer. So, we stayed focused all 40 minutes. Wasn't no joke, and everybody took it serious. Coach was still on us to the last second of the game. He was still screaming. So, we knew how serious this was. We knew how important this was, and we was happy we got the win. It's a new CSP in BCL? Oh, yeah. That's what we're looking forward to, me and Nico, this week we was talking, and the most important thing we said was we're gonna turn this around, and that's what we wanted to do, and as a home, our last home game here, we wanted to take advantage of that and get a win before we go play the next two good teams on the road. So this felt good. Yes, for sure the team needed a big win now on the road, maybe against Manresa. Oh yeah, definitely one of them teams, Manresa or Benfica, we need to get another one too. That's important. This is a big win, but we got to move on to the next. We got a big and a great team coming in
for the French League Dijon this weekend. We focus on that. You know, this win was great, but we focus on that. And then we get back to the Champions League and whoever we got next, you know, we're looking forward to go out there and get a win. That's all that's important. How do you explain the game in Riga and the game in Boulogne against Riga? It was home, you know. It feels great playing here in Limoges, you know. The atmosphere, you know, we was comfortable. You know, when we was there, there's no excuses. We lost the game. I mean, we didn't execute, you know. They played better than us, and, you know, we was able to get the opportunity for them to come here and get the win. So that's what we did, and that's what it was important. But tonight it was important to stop the three-point shot of Riga. At the beginning, very beginning of the game, it was not easy. Yeah. But after, the team made a good adaptation. Yeah, yeah, we adapted. They hit a few shots in the first quarter, and that was the game plan going in. So, you know, our guards, you know, picked it up on defense and made it tough for them to shoot more threes. So, you know, we shut that down. You know, it was easy for us to get out and get stops and get out and run and, you know, do our scoring. So, you know, it was a great game. What can feelings Bryce bring to his team? He's quick, man. He's quick, man. He's a great leader. He's a great point guard. He get everyone involved. And he can also, you know, score the ball. So defensively, he's quick. Offensively, he's quick. So he's a matchup nightmare for a lot of guys. And I'm proud of him, you know. After coming off the injury, you know, we missed him a lot. And he's been playing well since he's been back. And we happy for him. We want him to keep leading the team and you know, keep trying to get wins as much as we can. And that's the most important thing. Mm-hmm. Yeah. Next time in French. I'm about to learn French. I'm about to go to school. I'm going to take my. Wow, we have a table today. A chair? I have to do it in English first. In English this time. Yes, it's... the first one. The first one. Coach, same as Desi, and what's your feeling tonight about the game? That is great victory. Yeah, okay. We played pretty solid. Okay, we started not in the right direction, and after step by step, we understood what was the flow of the game, defensively and offensively. Okay, to run, to have a good tempo, to attack the basket every opportunity, and to be patient when they were playing good defense. So I think that we accomplished the goal. We're still alive. I don't know for how much time, but still, it's at least for tonight, it's happy news. Okay. On va en français. Seulement 53 points encaissés, 20 en deuxième mi-temps. 20 points encaissés en deuxième mi-temps. Ah. C'est des stats qui doivent te faire plaisir. Je pense oui. Non, donc honnêtement, la chose que j'aimais beaucoup ce soir, c'était la défense et l'attitude de la défense. Vraiment, je pense que pour nous, pour être compétitif,
Champions League et après aussi pour la Betclic Elite. Nous devons faire comme ça. Tout, surtout les matchs à Boublin. C'est une chose, c'est une chose que j'espère que l'équipe va progresser pour comprendre que c'est important de ne pas jouer pour être cool, pas pour jouer pour gagner. Donc l'exemple surtout c'est le début de troisième carton. Nous avons commencé à jouer pour être cool. C'est pourquoi j'ai changé. Non, j'ai changé tout le monde. J'ai changé les joueurs qui a pas compris. Ça s'appelle en anglais sense of urgency. Donc ce soir, si on doit gagner un match, c'est pas être cool. Donc parfois nous avons cette attitude un peu, tu sais, un peu superstar. Mais je n'aime pas, honnêtement. Je ne suis pas un superstar. Je suis sur le stage, je voudrais être derrière pour faire le rythme. C'est pas le chanteur, non. J'aime pas le chanteur. J'aime la, comment s'appelle, la batterie. J'aime le, mais, oui, oui, j'aime la batte. Oui, le batteur, bassiste. C'est pas le chanteur. Le chanteur, c'est pour la Euroleague. Nous sommes à Limoges. C'est juste la, ça s'appelle la base rythmique. La base rythmique. Kevin a posé la même question à Daisy. Je vais lui voler sa question à Kevin. C'est quoi la grande différence entre le match aller et le match retour dans l'attitude de l'équipe? Et l'organisation de le déplacement. C'est pas vrai. Non, je rigole. Je rigole. Ça a été parfait. Les déplacements, honnêtement, ça a été parfait. Et je ne sais pas. L'atmosphère. Parce que peut-être qu'il y a 3 semaines, nous ne sommes pas été prêts. Je ne sais pas. Mais nous avons joué à Riga. C'était une atmosphère très calme. Tout le monde était, tu sais, relaxé. Et aussi, nous, parfois, nous avons la tendance d'être trop proche à l'attitude de l'adversaire. Je préfère comme ce soir que nous faisons le match et après on va changer quelque chose ou s'adapter pour faire quelque chose de différent. C'est les choses que nous avons préparées, ça ne marche pas. Mais à Riga, c'était honnêtement, c'était bizarre. Plus que à Pau, nous avons perdu parce que nous avons était up and down for Pau et nous avons regardé à Riga, nous avons commencé le match. Ils sont comme ça quand tu te vas, tu te devais à coucher, à te coucher, que tu commences à sbadigliare. Tu bailles. Hein? Tu bailles, c'est comme ça. Nous avons commencé comme ça. Donc, mais ok, c'est 1-1 avec la différence. Au moins. Justement, la différence, c'était un objectif avant le début du match? Non. Je voudrais être honnête, non. Pour moi, première, je pense que pour nous, ça a été important de gagner. Et après, quand tu as joué le match, tu as vu qu'il y a la possibilité, nous avons poussé pour chercher de changer la différence, de inverser la différence. Non, mais honnêtement, pas. C'est impossible. J'ai parlé avec un arbitre, l'arbitre italien, et il m'a dit, oh, ça va. J'ai dit, oui, non. Donc, pour avoir de d'espoir. Pour avoir de l'espoir, nous avons besoin de gagner de 20. Et il m'a dit, ah, c'est pas possible. Et j'ai dit, ok, on va essayer. Donc, oui, c'est normal que non. C'est trop. Le but, c'est trop. Je leur dis, oui, gagner et gagner plus de 20. Et c'est un message pour les autres équipes aussi de la poule qui s'attendent à un nouveau CSP? Non. C'est un match. Ce soir, nous avons gagné un match comme ça. Et tout le monde dit, nous avons 2 déplacements. Et après,
c'est pas facile. Non, non. Je pense que pour nous, ok, nous avons gagné ce soir. Et après, il y a Dijon. Je pense que Dijon, ça va être difficile. Parce que ce soir, nous avons utilisé beaucoup d'énergie. Parfois, la liaison, c'est une chose. C'est bizarre. Et donc, d'énergie. Et donc, pour moi, la première chose à faire est de penser à. Et après, j'espère que tous les autres vont penser que nous sommes mauvais. Donc, nous profitons de la situation, j'espère. C'est une victoire d'équipe, coach, mais quand même, Jevon, il finit à plus 42. Le plus c'est incroyable. Je n'ai jamais vu un plus-minus comme ça. Quand j'ai vu les stats, j'ai dit, OK, ça marche. Vous savez que j'aime bien lui. Il est exactement. Je pense qu'il est le gars qui est plus proche à les choses que j'ai fait pendant ma carrière comme coach. Carrière. Parce que le rookie, il a envie d'apprendre et j'ai envie de lui apprendre. J'aime beaucoup cette situation, parfois. Et il a, comment ça s'appelle, il a la voix. Oui, comme, comment ça s'appelle, mamma mia. Il a une voix très bizarre. Hein, ça. Comment ça s'appelle les garçons qui, mamma mia, j'ai oublié. Non. Un chanteur de blues. Il y a aussi un épisode de Simpson avec lui. Je me rappelle pas. Non, c'est vrai. C'est un noir qui s'appelle. C'est très très célèbre. Dudley Hooker, chanteur de blues, ils sont tous blacks. Hein. Bon, moi aussi, j'ai chanté de blues. Depuis que vous êtes à un joueur de moins, vous avez enchaîné 3 victoires en 4 matchs. C'est vrai? Oui. Parce que je ne regarde dans le futur, mais aussi au passé. Donc. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? En resserrant la rotation, ça vous permet d'être mieux, d'être meilleur? Ou c'est une coïncidence Donc nous avons joué 6 places plus 1 à. Non, 6 plus 1, 6 joueurs plus 1 à. Comment ça s'appelle? À Monaco. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il était Hugo Lahn et Bojefos qui jouaient beaucoup. Donc, non. C'est une coïncidence, je pense. Non? Pas forcément. Pas forcément, mais je pense. Ou alors, c'est les autres joueurs qui n'étaient pas très bons. Est-ce qu'il y a un meilleur partage du ballon maintenant qu'il n'y a plus. Ce soir? Maintenant qu'il n'y a plus Govens, notamment, il y a un meilleur partage du ballon? Je ne sais pas. Si on vous pose la question, est-ce que vous sentez que l'équipe joue mieux depuis Bourin? Non, Bourin c'était parfait, je pense. Mais depuis cette série de 3 victoires en 4 matchs? Non. On va essayer, non. Je pense qu'il y a un process. Je pensais pas. Je sais que vous voudrez que je dise quelque chose, mais non. Pas de satisfaction. Satisfaction. C'est aussi Rolling Stone. Mm. Rock and roll, c'est pas. Et Barry White. Ah, Barry White. Oh, oui. Barry White, tu sais, la mémoire, ça marche. C'est étrange. Barry White. C'est Javon Graves à la voix comme Barry White. J'aime beaucoup. Mais d'un point de vue basket? Du coup, j'en profite, je repose ma question. Vous l'aimez beaucoup, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, parfois, pour moi, comme un entraîneur, c'est plus. C'est mieux, ok? C'est plus intéressant d'entraîner un gars. Qu'il est comme un verre moitié plein, moitié vide,
plus qu'un joueur qui déjà sait faire les choses, et je dois juste parler des détails. Et donc c'est pourquoi j'aime lui beaucoup, parce qu'il a moitié, il est plein, très bien plein. Il a de vin rouge, c'est pas Bordeaux, mais c'est Bardolino. Et après, c'est italien. Je rigole, et après, goutte après goutte, je vais mettre quelque chose. Et j'aime beaucoup ça, c'est pourquoi. C'est la seule raison, parce que j'aime bien Jeon Graves. C'est tout? C'est tout? Barry White. Allez-y. C'est pas du blues, hein. C'est...